Donc, à ta demande, je vais refaire une vidéo hein, avec le son activé cette fois-ci. Donc, une fois que tu te retrouves sur ton l'accueil de Office 365, Stream n'est pas affiché dans la liste des icônes. Donc, on va aller le chercher. Et c'est ici en bas à gauche dans toutes les applications. Donc, tu cliques dessus. Et là, tu vois toute une liste d'applications. Et tu choisis ici, tu cliques sur Stream. Une fois cliqué dessus, l'interface de Stream va s'afficher. Donc c'est sur ton compte à toi. Hein. Tu verras ton icône avec ton nom ici. Et tu cliques sur Créer, mais sur la petite flèche du bas. Ensuite, tu fais Charger une vidéo. Ensuite, tu fais Parcourir. Et normalement, une petite fenêtre va s'afficher. Et là, tu vas chercher ta vidéo. Ici, je vais prendre une vidéo pour te montrer. Je fais Ouvrir. Et là, il va l'envoyer. Et tu vois ici la barre de traitement qui s'affiche. Une fois fini, elle sera affichée sur ton site. Donc, ensuite, tu vas sur Autorisation. Et ici, cette page te permet de définir quelles personnes seront autorisées à visionner ta vidéo. Différents modes d'autorisation, en consultation ou en modification. Une fois terminé, tu fais publier et ta vidéo sera visible pour les personnes qui désirent la voir. Il te suffira ensuite de prendre le lien de la vidéo et de l'envoyer par Outlook aux personnes à qui tu souhaites que la vidéo soit consultable. Voilà, c'est tout.